La ville de Lambaréné n'avait connu pareille mobilisation des Migovéens en dehors de l'arrivée du chef de l'État dans leur localité. Dès l'aube, hommes, femmes, jeunes, personnes âgées, autorités administratives, politiques et militaires ont battu le rappel, accompagnés des sonorités locales qui rappellent la place de la tradition dans notre pays résolument engagé dans la voie du développement. Ça me fait plaisir d'accueillir notre président ici après tant d'années. On est venu voir notre président Ali Ben. Très content de le voir. Je suis content de le voir. C'est un Ali Bongo Ondimba détendu et très proche de ses compatriotes que les populations du Moyen-Ogoué ont eu l'occasion d'étreindre, de serrer la main, de toucher ou tout simplement d'apercevoir. Nous sommes derrière lui. Ali, nous sommes avec toi. Garantissons au chef de l'État que nous sommes derrière lui. Nous allons l'accompagner et qu'il sache que nous sommes de tout cœur avec lui. Cette visite dans la province du Moyen-Ogoué permet au chef de l'État de se rapprocher de ses concitoyens, d'être une oreille attentive à leurs préoccupations afin d'apporter des solutions concrètes à leurs doléances. Après l'aéroport, le chef de l'État s'est rendu au centre de recherche médicale de Lambaréné et à l'hôpital Schweizer, deux entités de référence en termes de structure hospitalière et de recherche scientifique au Gabon, dans la sous-région Afrique centrale et même à l'international.